Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque nous aurons réussi à supprimer le satanisme et les satanistes de la France et à y rétablir la monarchie. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à un coraniste et je vais me focaliser sur un point bien précis, donc la prière. Comment on fait la prière? N'essaye pas de répondre à cette question. Tu ne pourras pas y répondre. Comment on fait la prière? C'est comme si tu me demandes comment tu aimes ton enfant. Donc là, qu'est-ce qui ressort? Alors, je vais vous dire déjà qui est ce coraniste. C'est Fred Mungar, dont la chaîne s'intitule Fred Mungar, et ou Lion Muslim, visiblement, c'est aussi son nom. La prière authentique selon le Coran seul, c'est le titre de sa vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les savants sunnites qui disent « Ouais, vous, les coranistes, vous êtes bien gentils, mais si on vous demande comment vous faites la prière, vous sortez ça d'où ? Vous êtes incapables de répondre. » Et lui, qu'est-ce qu'il dit? On te pose la question, en tant que tu es coraniste, on te pose la question « Comment tu fais la prière ?» N'essaie même pas de répondre à cette question parce que tu ne peux pas y répondre. Et cette question aurait autant de sens de « Comment tu aimes ton enfant ?» Alors, en réalité, on peut très bien refuser le sunnisme et faire la prière comme l'a fait le prophète. Il suffit pour ça de suivre la tradition qui nous est connue par la transmission directe, quoi. Voilà, c'est possible. Donc, lui, eux, les coranistes, ils refusent de faire la prière classique, connue, parce que pour eux, elle est liée au livre de Hadith. Elle n'est pas liée au livre de Hadith, elle nous est venue par une transmission directe. Je vais répéter ça souvent, puisque au final, je pense que cette notion, elle a besoin, enfin, on a besoin de cette notion de transmission directe pour sortir d'une opposition binaire qui nous enferme, celle entre coranistes et sunnites. Alors qu'en fait, il y a la vérité, elle est ni du côté sunnite, ni du côté coraniste. Désolé. Lui dit, on ne peut pas répondre à cette question, comment faire la prière, c'est comme si on te demande comment tu aimes ton enfant. Autrement dit, on peut aimer son enfant de mille et une manières, et il n'y a pas une manière d'aimer son enfant. Donc, autrement dit, chacun doit faire la prière comme il l'entend. Est-ce que ça paraît logique et plausible que le prophète Mohammed ait dit ça à ses compagnons, aux gens en général? Non seulement ça paraît pas plausible, mais on n'a aucun texte qui va dans ce sens. Alors, ils vont dire, oui mais on s'en fout des hadiths et tout ça. Ok, mais là, vous prenez une décision mine de rien. Le coraniste qui décide de faire la prière à sa sauce, il prend une décision. Donc, il prend une décision qui n'est pas... qui est pas dans le Coran. Dans le Coran, on te dit pas « Fais la prière comme tu l'entends ». On ne le dit pas, ça. Donc, lui, en tant que coraniste, il veut être fidèle au Coran, mais quand il fait la prière à sa sauce, en quoi est-il fidèle au Coran? Ou est-ce que Dieu vous dit dans le Coran « Faites la prière comme vous l'entendez, comme bon vous semble, il n'y a pas une manière de faire la prière, faites la prière comme vous aimez vos enfants, c'est-à-dire chacun à sa manière ». Est-ce que c'est dit dans le Coran? Non, absolument pas. Il est dit « Faites la prière ». Ensuite, si on connaît un minimum l'histoire, on sait que le prophète s'y priait. Les compagnons, ils ont prié comment? À l'exemple du prophète, etc. Donc, d'exemple en exemple en exemple, c'est arrivé jusqu'à nous. Il y a une transmission directe qui est différente, séparée, de ce que les sunnites appellent la sunna, et qui est, on va dire d'une façon générale, les recueils de hadith et leur interprétation par les savants. C'est deux choses différentes. Mais comme on n'a jamais vraiment mis en lumière ce qu'est la transmission directe, on a l'impression qu'il n'y a qu'un truc, qui est ce qu'on appelle la sunna. En fait, il y a deux trucs différents. Les recueils de hadith, qui, par leur existence même, témoignent d'une désobéissance au prophète, puisque le prophète avait interdit de mettre ses paroles par écrit et avait demandé qu'on supprime les livres où on avait mis ses paroles par écrit, quand il a appris que ça avait été mis par écrit quand même. Donc, les recueils de hadith sont le fruit, le résultat, une désobéissance au prophète, alors que la transmission directe sont le fruit et le résultat d'une obéissance au prophète. Ce qui, logiquement, implique qu'on a une source polluée
puisque sa présence même est due à une désobéissance au prophète, les livres de Hadith, et on a une source qui, elle, n'est pas polluée, puisque si elle existe, c'est parce qu'on a obéi au prophète, la transmission directe. Donc il est vraiment important de faire la différence entre transmission directe et ce qu'on appelle la sunna, les livres de Hadith. En fait, c'est deux choses bien différentes. On connaît la prière par la transmission directe. On peut pas savoir comment prier juste en lisant des livres de Hadith, c'est pas possible. On saura pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. C'est pas expliqué dans les livres de Hadith. D'autre part, si on faisait comme les coranistes qui n'obéissent absolument pas au Coran, puisque le Coran n'a jamais, Dieu n'a jamais dit dans le Coran de faire chacun sa prière à sa sauce. Donc si je fais chacun fait sa prière à sa sauce, ça aura quelles conséquences? Forcément, ça aura pour conséquence un éclatement de la communauté, une impossibilité de faire la prière en commun. Si, enfin, il faut comprendre quand même qu'il y a un rapport entre les mouvements des corps et les mouvements des âmes. D'ailleurs, il y a un hadith qui le dit. Alors, les coranistes vont dire qu'il faut le jeter à la poubelle comme les autres. Mais ce hadith dit un truc qui correspond au bon sens. Le bon sens, c'est que quand tout le monde fait la même chose en même temps, ça va créer un esprit de groupe. Et un esprit de groupe, on en a besoin. Et les musulmans des premiers temps, on avait besoin. Et nous aussi, on en a besoin. Cet esprit de groupe, il va naître de la prière en commun. Si la prière en commun, c'est juste qu'on se rassemble et qu'il y en a un qui fait de la gym pendant qu'un autre, il fait des tractions, un quatrième qui prie d'une autre manière et que chacun prie à sa sauce, ça ne va pas créer un esprit de groupe. Le prophète avait dit, prier en ayant les pieds les uns contre les autres et tous en ligne bien alignés, parce que sinon, le diable va semer la division entre vous. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas bien aligné dans la prière, si vous ne faites pas corps, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire les mêmes mouvements en même temps, des lignes bien propres et les gens qui se touchent, ça va créer de la zizanie entre vous. Alors, je reprends. Les coranistes veulent prier à leur sauce et disent non, mais on n'a pas à répondre à la question comment je prie parce que je prie comme j'aime mon enfant, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut. Il n'y a rien dans le Coran qui va dans le sens de prier comme vous voulez. 2. La posture coraniste qui consiste à refuser les hadiths comme source d'autorité n'a pas pour corollaire logique de refuser la prière telle qu'elle est faite habituellement. Parce que la prière telle qu'elle est faite habituellement, c'est le résultat de la transmission directe et pas des livres de hadiths. Donc en réalité, si on réfléchit bien à la question, on verra que 1. On sait comment prier. Et ce n'est pas Boukhari Muslim qui nous apprennent à prier, c'est l'exemple du prophète transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui qui nous apprend comment prier. En plus, cet exemple est validé par la numérologie du Coran. Je vous renvoie pour ça encore une fois à la vidéo d'Anis d'Alger. Donc, c'est bien confirmé par le Coran au niveau numérique ou numérologique. Il y a bien 5 prières, 17 rakats. Donc, c'est bon, ça valide. Et enfin, logiquement, humainement, etc., si on veut être unis, il faut faire la même prière en même temps, en formant des lignes au rang serré. Et d'ailleurs, de nos jours, avec les pseudo-histoires de pseudo... Les gens dans les mosquées se retrouvent espacés les uns des autres, ce qui est complètement contraire à l'esprit de l'islam. Et là, pour le coup, les hadiths sont conformes au bon sens et conformes à la transmission directe. On doit se serrer littéralement les coudes dans les mosquées pour prier. Voilà, c'était donc une brève réponse à ce coraniste. À bientôt les amis.